Bonjour, bonjour, c'est ma passion du polar suite. Aujourd'hui, c'est le dernier Jean-Christophe Granger qui est sorti à la fin août. Donc vraiment, ça vient de sortir, vous n'avez pas raté trop de jours, mais il faut vraiment y aller parce qu'il est très bien. Jean-Christophe Granger, vous savez, c'est l'auteur des Rivières pourpres, du vol des cigognes, c'est des trucs qui vont assez vite. C'est pas l'auteur de polar qui écrit le mieux, mais c'est vraiment des super bons thrillers, c'est bien fichu. Là, cette fois-ci, il sort Kaiken. Or, Kaiken, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. C'est un nom japonais, ça désigne un poignard avec lequel les femmes se suicidaient, se tranchaient la gorge au Japon. Et là, en fait, l'histoire, c'est que le flic de la criminelle, Olivier Passant, est marié à une femme japonaise avec qui ils ont eu deux enfants. Ils sont en instance de divorce. Il est beaucoup plus japonais qu'elle. Il a découvert le Japon et complètement adhéré à ce pays. Elle en est partie. Et en fait, donc, ils ont une histoire compliquée qu'ils vont vivre. Et en parallèle de ça, parce que l'histoire policière va tourner autour d'eux, se resserrer autour de leur famille, il poursuit un fou qui tue des femmes enceintes pour brûler les fœtus après. C'est un peu gore, hein, je suis d'accord. Mais c'est, voilà, c'est juste l'intrigue. Et il va le poursuivre, ce tueur. Voilà, ce tueur va mourir et rien n'arrêtera cette histoire. Il faudra qu'il aille jusqu'au Japon chercher les réponses à toutes ces questions. C'est franchement bien fichu. Quand on commence, on n'arrête pas. Donc voilà, allez-y. C'est un bon moment. J'allais pas dire de détente parce que c'est pas le terme, mais c'est un bon moment de polar.